Et là, la sécurité, si on est en train de faire son repérage, c'est bien ça? Absolument. Alors là, maintenant, il est dans la phase d'acquisition, il va commencer sa descente pour se mettre à une hauteur de nouveau déjà. Le sauveteur est déjà en descente de manière à être posé sur la planète quasiment au passage de l'hélicoptère. On va prendre un temps d'arrêt très faible. Alors l'équipage est composé de 9 personnes. Un pilote et un mécanicien droitiste. Et en fait, le mécanicien droitiste, c'est les yeux du pilote, c'est ça? Absolument. Alors là, effectivement, le pilote arrive dans une phase où il ne voit que le bout du bateau, il ne voit pas ce qui se passe sous lui. Donc c'est le mécanicien qui est à la porte, qui lui explique exactement ce qu'il est en train de faire et où se trouve le plancher. Donc ça, c'est une phase difficile, parce que bien évidemment, le pilote doit avoir une confiance aveugle, je dirais, en son mécanicien, mais le mécanicien doit être aussi précis que possible dans les ordres de le pilote. Voilà. Alors là, vous voyez que c'est une phase aussi extrêmement délicate, parce que l'hélicoptère est attaché à la radelle. Il est relié à la radelle, en loup, ce qu'on appelle un loup. C'est pour faciliter la descente du deuxième sauveteur et éventuellement du matériel. Donc le pilote se laisse dégager un peu, il est là sur la descente de la civière. Avec le sauveteur, voilà, le deuxième sauveteur va arriver sur le pont. Donc le deuxième avec le filet, le bout donc, qui est accroché à l'hélicoptère et au bateau, ça lui permet de ramener le secouriste plus facilement vers le bateau. Voilà. Et pendant le positionnement de la doctrine de la matière, l'hélicoptère tourne autour et attend que tout soit prêt. Alors il est évident que quand lorsque nous faisons un secours autour du risque d'intervenir avec une mer, il est évident que le médecin qui est descendu à bord et le secouriste ont aidé, bien sûr. Ils ne peuvent pas rester indéfiniment sur le bateau. Donc, le pilote, avant la descente, leur donne un timing extrêmement précis. Et si au bout de ce timing, ils ne sont pas capables de remonter la victime positionnée, l'hélico est obligé de rentrer parce que, bien évidemment, en haute mer, on n'a pas de station de ravitaillement. Alors nous avons 35 appareils au niveau national, répartis sur 23 bases sur le territoire national. Alors, avec la phase de récupération, c'est ça, oui. Absolument, oui. La vedette a repris sa position. Elle tient un peu loin, d'ailleurs. Et c'est le médecin qui est là-bas, en bancard, qui charge tout comme lui, c'est une formidable, comment ça se passe? Non, c'est standardisé, bien évidemment. La victime est mise dans une civière qui est particulière pour ce sujet de voyage. Et le secouriste, c'est pas le terrain qui s'en charge, mais c'est surtout le secouriste qui est formé pour ça. C'est un sauveteur aquatique, c'est-à-dire un plongeur, en fait. Conditionne la victime dans la civière, donc elle est encapsulée dans la civière de manière bien évidemment ne pas tomber. Voilà, donc vous allez assister à la seconde phase, donc la vedette va reprendre sa navigation. Alors là, c'est une coordination aussi entre le pilote de la vedette et le pilote de l'hélicoptère. La vedette de la vedette a pour consigne un cap et une vitesse qui sont données par le pilote de l'hélicoptère. En l'occurrence, là, ils vont naviguer au 325 à 5 nœuds. Et le pilote, il s'adapte, le pilote de l'hélicoptère s'adapte à la vitesse de cette vedette. Voilà, l'hélicoptère se présente, vous voyez le mécanicien qui est sur le patin à la porte. Il y a combien de hauteur là? C'est relativement bas. Il est relativement bas, tout simplement parce que le bateau n'est pas très grand et c'est extrêmement difficile de tourner en mer sans point de repère. C'est donc impossible de se tenir stationnaire. C'est difficile en mer, quand tu fais pas beaucoup, j'imagine. C'est pas facile non plus. C'est pas facile. Là, on fait toutes les conditions, sauf qu'il va en fonction du vent. Oui, il y a des.
des rabattants, Aux ordres du leader que l'on propose d'écouter.
peut les applaudir bien bien fort. Et c'est maintenant que nous allons après le son, levez la tête là où l'ancienne et des extérieurs viennent pour vous présenter la loose, cette une figure en hommage. Alors camarades, l'histoire de capitaine, re-local, pilote de voltige, champion de voltige, lui aussi un extraterrestre désert, la loup. Et la percussion des extérieurs. Légèrement à droite, et bien c'est les boxeurs qui se présentent pour vous expliquer ce qu'on appelle une double volute. Appréciez la technique et l'élégance de cette lente et majestueuse figure. On est bien sûr la trajectoire du leader à moins d'une seconde d'intervalle seulement. Quelle belle cette double volute alors qu'on est des extérieurs là-haut qui avait disparu dans les cieux, bien plonge sur le box avant pour l'en rassembler. Ainsi, Zadon est revenu face à nous dans quelques instants. Alors que sur la gauche, ils arrivent, eh bien, pour vous, on va le faire. Le King Twist. Je vous laisse admirer.